Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Ops 3, hein, sur le zombie. Et en fait je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais le son du micro est pas vraiment pareil et moi je suis un peu plus à l'aise. J'ai changé de micro tout simplement, j'ai pris le micro de la Xbox 360, je l'ai mis sur la manette je l'ai branché au PC. Et là, ça passe super bien. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez mieux celui d'avant, bon, bah voilà, je retournerai peut-être à celui d'avant. Mais si vous préférez celui-là, franchement, je resterai sur celui-là, c'est sûr. Je changerai pas parce que vraiment, celui-là, il est super. Il coûte genre 10 euros à l'achat. Et puis, ça passe vraiment super bien. Je suis vraiment nickel comme ça. Donc, du coup, alors aujourd'hui, je vous présente le succès de tuer un ennemi de loin. Donc de 50 mètres en fait, d'une distance de 50 mètres. Et en gros faut le tuer de 50 mètres, mais en solo c'est plutôt compliqué en fait. C'est assez dur parce que les zombies ils te suivent et ils te suivent que toi. Il n'y a pas un autre ami pour dire hey, attends je vais les garder 2 secondes, puis après tu pourras le tuer. Non, même pas. Donc du coup je vais vous montrer un peu, enfin je vous montre un peu comment, quelle stratégie faire. Donc là en premier vous allez ouvrir la salle en haut là, enfin vous allez passer par la salle haut pour ouvrir ici. Là vous allez attendre que les zombies montent et vous allez faire monter les zombies là-haut. Et une fois qu'ils seront là-haut, vous redescendez en évitant de repartir trop vite parce que ça risque de faire respawner les zombies. Du coup bah vous n'arriverez pas à les tuer vu qu'ils respawneront là où vous êtes. Et donc du coup là bah vous allez en bas, vous descendez un doucement en fait, hein, vous descendez vraiment doucement histoire de que les zombies vous suivent quand même un minimum. Et là après vous partez vraiment au fond, pas trop vite non plus hein, mais vous partez au fond et puis après bah vous pourrez le tuer, vous verrez c'est assez loin. Donc là je suis remonté parce que j'étais pas sûr, je voulais vraiment pas repartir là-bas puis faire revenir après, enfin bon c'était vraiment trop long après. Et donc du coup bah ce que j'ai fait c'est que je suis vraiment allé je suis vraiment allé doucement histoire de voilà, d'être sûr quoi. Voilà, donc du coup bah du coup on va voir ça, vous allez voir il va se débloquer. C'est assez simple au final hein, quand on sait comment faire c'est assez simple, voilà. Mais c'était juste vraiment pour vous montrer en solo, vraiment en solo, puisqu'en multi bah voilà hein, c'est vraiment super simple en multi. Donc je vous montre vraiment en solo. Allez, attention, petit rapprochement. Bon, la qualité n'est pas présente mais voilà, on n'a pas vraiment vu le zombie, voilà. Donc du coup j'ai eu le succès qui est assez simple, voilà. Bah c'était juste pour vous aider sur pour le faire en solo. Du coup bah moi je vous dis une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sur les 5 trucs volants dans le train hein, je sais pas quoi, voilà. Donc moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.